Regardez à côté de moi, là, regardez à ma gauche là. Vous voyez quoi? C'est le sélectionneur manager des Lions Indomptables. Rigo. Vous savez où il est là? À la chapelle de la gloire du Christ. Écoutez d'abord, regardez d'abord l'image, regardez. Je vous prends après. Déchire le ciel. Alléluia. Amen. C'est établi le nom de Jésus. Amen. Que c'est ça, nous continuons avec une autre révélation. Si quelqu'un arrive à Yaoundé et qui est dans le besoin des appartements ou bien d'un appartement meublé, s'il est là pour un long ou court séjour, bien vouloir vous diriger du côté de Colbison. Dans cette cité, à 1,5 km du carrefour Colbison sur la route de Kola, c'est un endroit calme, paisible, tranquille. Donc si quelqu'un arrive, si un bengiste arrive, il ne veut même pas qu'un membre de sa famille soit au courant qu'il est quelque part. C'est un endroit trop caché et réservé. Pas de bruit. Calme. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus de modalités concernant le logement. Vraiment, cet endroit est impeccable. C'est établi le nom de Jésus. Amen. Que c'est ça, nous continuons avec une autre révélation. Sélectionneur, manager Rigobert Sombana. Vous savez, pendant la CAN au Cameroun, le peuple camerounais avait proposé son équipe. Rigo a dit, c'est de ça qu'il s'agit. Je mets mon équipe. On a dit, ok, tu es l'homme des théories. Pendant la Coupe du Monde, on dit Rigo, le peuple, écoute le peuple. Il dit, quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. On a dit, ok, tout le monde a vu le résultat. Quand le gars lui-même a senti le tourci, le dernier match des Lions pour la qualification, Cameroun, Burundi. On dit Rigo, écoute le peuple. C'est au dernier virage. Le gars dit, le tout si moi, il n'écoute pas le peuple, j'ai trop fait la tête. Hein. Le gars allait voir lui-même son président. Il dit que, Samy, papa Sam, il faut qu'on écoute le peuple. Hein. Avec l'équipe, le staff et tout le reste, ministre et tout le reste, ils ont écouté le peuple. Et tout le monde a vu le résultat. Parfois, les gars disent que, oh, Franco le Trembleur, quand j'ai vu le sélectionneur manager à l'église pour dire merci Seigneur, tu viens de m'enlever dans les griffes, dans les mains des Camerounais. Parce que le Tutsi, si on n'allait pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement les choses qu'on parle depuis. Si le Tutsi, on ne partait pas en Côte d'Ivoire. Non, c'est que Magnan lui-même devait confirmer qu'il est dans un continent qui n'est pas dans un pays. La rage que les Camerounais avaient, hey, mon frère, la rage que les Ivoiriens avaient. Les Ivoiriens voulaient nous laver. Le Tutsi, il fallait seulement qu'on ferme un peu leur bouche. Donc, Rigo lui-même est allé à l'église, dit que papa, Yahweh, merci, merci. Chapelle de la gloire du Christ. En fait, c'est sur la page là qu'il est pour la vidéo. Je ne sais pas si c'est à l'église là où il était. Hey, Adama, vous comprenez, non? Quand vous dites que écoutez le peuple, vous ne voulez pas comprendre. Écoutez le peuple, on vous dit que voilà l'équipe que nous on veut au stade. Vous nous avez écouté cette fois-ci et vous-même vous avez vu le résultat. Le peuple est derrière, vous êtes au stade. Nous on voit le danger que vous ne voyez pas. Comment pas en Côte d'Ivoire là? Quand nous avons encore dit que nous on ne veut pas, quand au moins 1 million de Camerounais disaient déjà que nous on ne veut pas voir tel joueur au stade. Pourquoi tel joueur est derrière? Écoutez le peuple. Vous dites que oh, c'est dans le tibia. La théorie des dangers est montée. La théorie de ceci est. En Côte d'Ivoire là, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on remporte la CAN, qu'on retourne au Cameroun avec ça, écoutez le peuple. Écoutez la voix du peuple. Rigo, que le Seigneur te bénisse, papa. Beaucoup de courage dans tes actions. Hein. Et les Ivoiriens là, vous avez fait ça, on nous manque un peu, il y a du respect au pays. Hein. De toutes les façons, on arrive. On va un peu fermer vos bouches là.
Comprenez, non? On va fermer vos bouches. Il ne parle pas trop. On ne bavarde plus trop. C'est en Côte d'Ivoire là qu'on va voir la différence entre le lion et l'éléphant en forêt. Vous comprenez, non? On arrive. Et comment on vient? Nous, on ne vient pas s'amuser. Même si c'est dans l'eau, nous, on va remporter la canne là. Même si c'est dans le lac, même dans la rivière, on va rentrer avec ce trophée. Ne vous inquiétez pas. On arrive. Aboubacar Vincent, ce n'est pas un maître nageur. Chers Ivoiriens, s'il vous plaît, je vous en prie de tout cœur. Si vous n'avez pas les gilets de sauvetage hautement qualifiés pour sauver les gens dans la Méditerranée, s'il vous plaît, il faut déjà nous signaler, nous les Camerounais. On verra dans quelle mesure faire vous porter les stades et venir en Côte d'Ivoire avec. Parce que la seule richesse que vous avez, que vous vantez avec, c'est rien que le nouveau pont là. Parce que quand je regarde vos stades, je ne crois pas qu'Aboubacar Vincent peut se produire là-bas. Aboubacar Vincent avec Toko et Kambi. Avec qui là? Nourou Toro. On a les grands joueurs. Vous n'avez pas les stades, vous organisez la CAN comment? Je viens du stade. Voilà. Je viens du stade. Voilà comment est-ce que je reviens du stade. Oh, c'est pitié incroyable. Je voudrais pour une fois qu'on prenne les Ivoiriens au sérieux. Partant de l'organisation, on n'est pas du tout content. Nous ne sommes pas contents. C'est un constat amer. On ne peut que pratiquer 45 minutes sur ce stade de 20 milliards. Rénovez, s'il vous plaît. 10 minutes de pluie, 10 minutes de déluge. Et aujourd'hui, on en est là. On ne peut pas regarder le foot. Dit que dans 3 mois, on doit venir dans ce stade pour faire la cérémonie d'ouverture. Et ensuite... faire la finale sur ce stade-là. Et qu'est-ce qu'on retient? C'est honteux, c'est pas joli. C'est souillant, hein. Vous voyez qu'on parle des stades, c'est la pelouse qui fait un stade. Ça, c'est clair. La première pelouse, on l'a critiquée. C'était un champ de patates. T'as dit quoi? C'était un champ de patates. Oh, maman. Aujourd'hui, là, on nous envoie un bateau. Hey, oh, maman. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire, qui est un pays émergent, on a 3 mois de la CAN. Il pleut. Et puis les gars savent qu'on est dans une zone où il pleut beaucoup. À 3 mois de la CAN, on joue un match, une petite pluie, la pluie ne peut pas aspirer de l'eau. Je sais que quoi. C'est pas possible. Ce n'est pas administratif. Ils ont bouffé l'argent à cadeau. Non, c'est ça. Les milliards, on dit milliards, là, c'est zéro. Ce sont des petits pushistes. Quand il y a les matchs en Europe, là, même il n'y a qu'à pleuvoir comment là. La pluie forcée, ça va aspirer l'eau. Tu es sûr? Pourtant, les gens se plaignent. Yeah. À trois mois de la canne. Mais maintenant, si on tu bégayes pourquoi? Tu ne connais plus parler. Aussi, bon, regardez comme ça. Si on joue en janvier, qu'il pleut. Donc, on va arrêter les matchs à chaque fois. Je m'intéresse. C'est vraiment décevant. Non, c'est déçoignant. Je suis déçu. Tu veux une carte portée, même dans 10 ans, si tu arrêtes ces gens de pelouse là, c'est pas la peine. Toi, bref, un garçon, il parle pas beaucoup. C'est ça, on vous dit aller à l'école. On va laisser un autre pays va organiser. Sinon, c'est pas possible. Tu fous à ta tête? Ah, quoi? Ça, c'est quel pays? Ah. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.